Bonjour et bienvenue à notre série Discussions pratiques pour les médecins de famille, la série de webinaires cliniques en direct du Collège des médecins de famille du Canada. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui de partout au pays. Je suis la docteure Émilie Braski et je serai votre animatrice aujourd'hui. Pour la divulgation de mes conflits d'intérêts, je suis salariée du Collège des médecins de famille du Canada et de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, nous vous présentons un webinaire intitulé « Mettre en œuvre les recommandations dans la pratique, mise à jour du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs ». Notre conférencière est la docteure Guylaine Thériault. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, docteure Thériault. Avant de présenter la docteure Thériault, j'aimerais commencer par reconnaître nos terres ancestrales. Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous tenons cette rencontre, regroupent les territoires traditionnels de nombreuses nations. Le CMFC reconnaît que les nombreuses injustices subies par les populations autochtones de ce que nous appelons maintenant le Canada continuent d'avoir un impact sur leur santé et bien-être. Le CMFC respecte le fait que les peuples autochtones ont des pratiques culturelles et traditionnelles riches, dont les bienfaits sur la santé sont reconnus. J'invite tous les participants à songer au territoire où vous vous trouvez présentement, alors que nous nous engageons à acquérir des connaissances, à forger une nouvelle relation culturellement sécuritaire et à contribuer à la réconciliation. J'aimerais prendre quelques minutes pour revoir les détails administratifs. D'abord, participez au clavardage. Dites bonjour à vos amis et faites-nous savoir d'où vous venez. Veuillez prendre quelques minutes pour répondre aux questions éclairs. Les questions sont maintenant ouvertes. Ajoutez vos commentaires dans la fenêtre de clavardage et vos questions pour notre présentateur dans la section questions et réponses. Si vous visionnez cette présentation en direct, vous avez droit à un crédit certifié MainPro. Pour obtenir le crédit, vous devez remplir un court formulaire d'inscription de sondage. Le lien vers ce sondage sera affiché dans la fenêtre de clavardage. Veuillez remplir le formulaire avant minuit vendredi. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la docteure Guylaine Thériault, notre conférencière pour aujourd'hui. Docteur Thériault est médecin omnipracticienne. Elle est co-responsable des soins primaires pour Choisir avec Soin Canada et membre du groupe d'études canadien. Docteur Thériault, merci d'être des nôtres aujourd'hui. À vous la parole. Bien, bonjour et merci Docteur Braski de cette introduction. Merci à tous ceux qui se joignent aussi, qui prennent leur heure du midi pour venir entendre parler du groupe d'études canadiens et de leurs travaux. Donc, on m'a présenté, je suis Docteur Thériault, omnipraticienne et je suis membre du groupe d'études. Et je donne cette présentation-là basée fortement sur une présentation de Dr. Grad qu'il a fait là, en février dans le même contexte, mais en anglais. Donc, je n'ai pas de nature de conflit, de conflit de nature financière plutôt. Je n'ai pas de rémunération là, pour la présentation aujourd'hui. Je suis payée, par exemple, pour être co-responsable des soins primaires de Choisir avec Soins Canada et de façon volontaire, je suis sur le comité directeur de Choisir avec Soins Québec et, comme je l'ai dit, membre du groupe d'études canadien là, sur les soins de santé préventifs. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que nous avons perdu une membre il y a de cela moins d'un an. C'était une des membres du groupe d'études déjà depuis plusieurs années. Elle avait fait de nombreuses contributions aux travaux du groupe d'études et elle devait devenir notre présidente là, seulement quelques mois après son décès, là, tout à fait inattendu. Et comme exemple du travail qu'elle a fait, vous connaissez probablement la ligne directrice là, qui a été publiée récemment, là, en 2021, sur le dépistage, la recommandation face au dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée. Donc, je pense que Dr. Moore, Ainsley Moore, a fait énormément de travail sur cette ligne directrice-là pour prendre ensemble là, des données de la littérature qui n'étaient pas si abondantes et peut-être pas si claires que ça, et vraiment les mettre d'une façon qui sont facilement
applicable là, en pratique. Donc, on pourra en discuter si vous avez des commentaires là-dessus, mais c'était simplement un petit rappel là, de la contribution énorme que Dr. Moore a donnée au groupe d'études. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est vraiment qu'à la fin de ce webinaire, vous êtes capable de décrire les mandats et les activités du groupe d'études. Ça, c'est bien. Mais surtout, d'être capable d'identifier les situations où la décision partagée est essentielle. Et pour cela, être capable d'utiliser des outils qui vont faciliter ce genre de décision-là, surtout lorsque la recommandation est conditionnelle à la décision partagée. Parce qu'on va voir qu'il y a différents types de recommandations et on va essayer de comprendre ensemble là, quand la décision partagée fait vraiment partie de la recommandation comme telle. On fait beaucoup de choses comme médecin de famille et ce que j'ai mis là, c'est certainement pas exhaustif. Hein? On parle des habitudes de vie, on encourage la modification souvent de ces habitudes de vie-là. On parle de dépistage de cancer, on dépiste des maladies chroniques, mais on assure aussi le suivi de ces maladies chroniques-là. On fait des suivis prénataux, mais surtout, à travers tout ça, on doit demeurer accessible pour les soins aigus aux patients. Il y a un article de la littérature que j'ai trouvé fort intéressant en réfléchissant à tout ceci, a été fait par des médecins de famille de l'Alberta, où ils ont regardé, ça fait pas si longtemps que ça, les différentes choses justement que l'on fait en médecine de famille et l'impact qu'on peut avoir sur nos patients. Et vous voyez hein, que traiter des symptômes aigus ou des gens qui ont des problèmes actuels donne beaucoup plus de bénéfices à une population que la prévention et le dépistage. Bon, moi, j'y crois à la prévention et au dépistage. Je crois qu'on doit aussi l'intégrer dans nos pratiques. Je crois qu'on doit avoir de bonnes lignes directrices pour être capable de faire ça. Mais il faut relativiser le tout et savoir qu'il y a des choses qui ont peut-être un impact plus grand là, sur la population qu'on descend. Maintenant, les recommandations, il y en a beaucoup. Elles sont des fois contradictoires. Donc, il faut être capable de se faire une tête. Là, est-ce que je le fais? Que je ne le fais pas. Ou des fois, il n'y a pas assez d'informations, puis là, on reste un peu ambivalent à savoir comment j'applique ça dans ma pratique à moi. Donc, je vais mettre à l'écran quatre questions, des questions qui pourraient peut-être vous habiter ou à laquelle vous pourriez réfléchir durant la présentation. Donc, quand est-ce qu'on peut ne pas discuter d'un dépistage? Comment on fait pour discuter d'un dépistage qui n'est pas recommandé, mais qui nous est demandé, par exemple? Comment je trouve le temps pour la décision partagée? Puis, où trouver les outils d'aide à la décision? Donc, ce sont des questions auxquelles je vais répondre, certaines de façon plus extensive que d'autres, mais qui peuvent certainement susciter la discussion là, à la suite de ma présentation. Donc, premièrement, c'est important de distinguer le dépistage versus diagnostic. Je dirais même que c'est important de distinguer prévention versus dépistage. En fait, la prévention, c'est vraiment les actions qu'on porte ou qu'on pose pour éviter qu'un patient développe une maladie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà une maladie, mais quelqu'un qui n'a pas la maladie, puis on essaye de faire en sorte qu'elle ne développe pas. Tandis que le dépistage, bien, la personne a déjà la maladie. Souvent, on y fait référence comme de la prévention, mais en vrai, c'est juste qu'on essaie de diminuer les issues cliniques défavorables d'une maladie qui est déjà présente. Et c'est vraiment là qu'on fait nos recommandations. On a des recommandations de prévention, mais aujourd'hui, on va parler de dépistage. Les recommandations du groupe d'études, par exemple, face au dépistage du cancer du sein par mammographie, c'est un exemple de recommandation de dépistage. Parce que quand on a un symptôme, on peut peut-être utiliser le même test, par exemple ici, la mammographie, mais là, on n'est plus dans un dépistage, on est vraiment dans le diagnostic. La grande majorité du temps, un dépistage, ça veut dire pas de symptômes. Et quand on a des symptômes, c'est pas un dépistage. Il y a peut-être une recommandation où on considère les gens qui ont des symptômes. C'est une recommandation qui est de ne pas dépister. Hein, et vous l'avez compris, c'est le cancer de la prostate où on sait que dans les études, il y avait des hommes qui avaient quand même certains symptômes. Mais à part cette exception, l'exception confirme la règle, à part ça, un dépistage, c'est une population qui n'a pas de symptômes.
Donc, avoir une pratique qui inclut le dépistage et la prévention, ce n'est pas avoir une liste à cocher et dire « OK, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait ». C'est une pratique qui doit être flexible, d'autant plus que, comme je l'ai dit plus tôt, on doit pouvoir accommoder les besoins urgents, les besoins actuels des patients et greffer à tout ça nos recommandations de prévention et de dépistage. Donc, on doit s'adapter au contexte du patient. Et ça peut être son contexte de consultation, mais ça peut être son contexte de vie aussi, ses antécédents, ses valeurs et préférences, comme on va le voir. Et il faut avoir une certaine structure, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur des données probantes. Et c'est quelque chose que je propose aujourd'hui, que les recommandations du groupe d'études soient fondées et sont fondées sur des données probantes. Donc, le premier objectif, c'était de décrire les mandats et les activités du groupe d'études. Donc, voici la photo pré-pandémie du groupe d'études. Alors, vous avez ici différents membres, certains qui sont encore des membres du groupe d'études, d'autres qui ont quitté parce qu'ils avaient, par exemple, terminé leur mandat. Et vous voyez Dr. Grad au milieu et deux personnes à côté de lui, Dr. Wilson, qui sont maintenant les deux coprésidents du groupe d'études. Et un peu derrière, avec la chemise noire, Dr. Clarenberg, qui est le vice-président du groupe d'études. Donc, c'est du monde comme bien ordinaire, comme tout le monde. On a des médecins de famille, on a quelques spécialistes, on a des gens qui sont vraiment plus versés en méthodologie et tout ça, ça donne le groupe d'études. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin du groupe d'études? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ce groupe-là? C'est un groupe qui donne des recommandations, mais il y en a plusieurs autres groupes qui nous donnent des recommandations. Donc, moi, je dirais qu'il y a quelques raisons pour lesquelles on a probablement besoin d'un groupe d'études, en fait, que je crois qu'on en a besoin. Premièrement, c'est l'indépendance et la rigueur. Donc, beaucoup des recommandations qui nous ont soumises, il faut, plutôt je dirais, quand on a une recommandation devant nous, il faut être capable de se poser deux grandes questions. Et pour ceux qui connaissent l'atelier en anglais « Practicing Wisely » ou en français « Pour une pratique éclairée », bien, on explique ou on donne cet outil-là aux gens de toujours se poser deux grandes questions, à savoir les données probantes, elles ont été regardées avec de quelle façon? Est-ce qu'il y avait une indépendance dans l'interprétation des données probantes? Et l'autre question, c'est les recommandations ont été basées sur des données, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait rigueur dans la capacité d'aller chercher toutes les données et de faire le tour de la question pour arriver à une recommandation qui fait du sens dans le bureau d'un médecin de famille? Quand je parle de faire le tour des données, ce qui est quand même très, très exceptionnel ou très intéressant, en tout cas pour le groupe d'études, et qui était une nouveauté pour moi quand je me suis joint au groupe d'études, c'est qu'on va regarder, oui, les données probantes de la question qu'on se pose, est-ce que le dépistage est efficace ou pas et dans quelle mesure, mais aussi il y a des revues systématiques, des valeurs et préférences des patients, ce qui est quelque chose qui informe beaucoup les décisions quand on décide de savoir si une recommandation va être, par exemple, pour contre, conditionnelle ou forte. On va regarder ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est deux éléments clés, l'indépendance et la rigueur. Je ne dis pas qu'on est le seul groupe comme ça. Il y a d'autres groupes, comme par exemple le groupe PEER, P-E-E-R, qui est aussi indépendant et aussi avec beaucoup de rigueur dans les recommandations qu'il formule. Donc, il y en a d'autres. On n'est pas le seul. Mais en dépistage et prévention, on est un des groupes au Canada qui fait des recommandations vraiment indépendantes et rigoureuses. L'autre chose, c'est la pertinence. Donc, on sait que lorsqu'on a des groupes qui sont composés seulement de spécialistes, ça vient teinter un peu les recommandations. Ils n'ont pas la même réalité que les médecins de famille dans leur bureau. La population est quand même différente. Donc, il faut faire attention quand on applique une ligne directrice comme ça de ne pas causer plus de tort que de bien parce qu'on peut facilement tomber dans du surtraitement, du surdiagnostic et des coûts de santé qui sont peut-être pas justifiés. Donc, je laisse ça comme point d'interrogation dans votre tête. Quand vous regardez une ligne directrice, toujours vous posez la question de l'indépendance, de la rigueur et de la pertinence.
Donc, le mandat du groupe d'études, c'est de développer et disséminer des lignes directrices sur les soins de santé préventifs. Et ça, basé sur une analyse systématique des données probantes. Je vais vous décrire là, un peu le processus de comment on réussit à faire à remplir ce mandat-là. Donc, il y a plusieurs lignes directrices, vous en connaissez probablement certaines d'entre elles, sinon la majorité. Donc, on a des lignes directrices sur le dépistage des cancers. Vous voyez, œsophage, sein, colorectal, poumon, prostate et col. Il y a certaines de ces lignes directrices-là qui sont en train d'être mises à jour. Donc, il y a un processus continuel pour revoir la base factuelle qui sous-tend les recommandations. Et il y a des recommandations sur les maladies chroniques. Je ne vais pas vous en faire la lecture, mais notamment, par exemple, chlamydia gonorrhée dont j'ai parlé au tout début de la présentation. Et vous voyez hypertension, diabète, des choses qu'on voit de façon régulière là, dans une pratique de médecine familiale. Donc, pour l'indépendance et la pertinence, ben, il faut savoir qu'il y a tout un processus où pour choisir les thèmes, en fait, les thèmes des recommandations qu'on va faire. Donc, toute personne, vous y compris, pouvez soumettre un thème et dire « ça, c'est un thème qui, pour moi, dans ma pratique, serait très important ». Et il y a un processus pour bien regarder ce qui se fait en ce moment par rapport à ce thème-là et comment les données probantes ont évolué par rapport à ça. Et surtout aussi, il y a un processus très clair d'identification des issues cliniques qui sont en lien avec ces thèmes-là et qui valent vraiment la peine pour les patients. Donc, des choses qui sont importantes, hein, morbidité, mortalité, qualité de vie, etc. Et tout ça est regardé par un groupe de cliniciens et de méthodologistes. Vous avez vu le task force tout à l'heure, qui sont indépendants. Donc, le task force est totalement indépendant et peut faire les choix qu'il croit bien là, avec toute l'information qu'il reçoit des revues systématiques. Alors, j'arrive justement à ça, à la rigueur et à la transparence. Donc, il y a un processus de revision systématique de la littérature qui est fait par deux endroits où c'est fait. Il y en a un à Ottawa, il y en a un en Alberta. Et ces gens-là, bien sûr, on participe à l'élaboration des questions pour être sûr qu'on répond aux questions qui sont utile pour les médecins de famille, mais après ça, ces gens-là, de façon indépendante, vont chercher et analysent la littérature selon une méthodologie qu'on appelle GRADE. Alors, ce qui est très intéressant avec GRADE, c'est une méthodologie rigoureuse, reconnue à travers le monde, et en appliquant ces recommandations-là, on arrive à avoir un portrait des données probantes, et puis après, on peut se poser des questions à savoir justement comment les valeurs et préférences des patients, comment la disponibilité des tests là, viennent teinter ou non là, les recommandations qu'on peut faire. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on fait des revues systématiques de valeurs et préférences, mais on a aussi un groupe qui s'appelle en anglais le TFPAN, qui est un groupe de patients à travers le Canada qui peuvent être consultés pour justement là, discuter avec eux des recommandations qu'on va faire et comment on peut les rendre là, intelligibles pour la population là, en général au Canada, par exemple. Et tout ça fait en sorte que des instances autres considèrent, et ce n'est pas la seule, là, on a un exemple de l'ACP, mais il y a d'autres instances qui considèrent que les lignes directrices qui sont émises par le groupe d'études canadien sont de bonne qualité, en fait, sont parmi les meilleures en termes de rigueur, pertinence et transparence. Et quand on a ces données-là, il y a d'autres données qui nous arrivent de d'autres organismes où ils font des recommandations, où ils vont dire ben telle chose n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Mais on prend ça très sérieusement et on essaie vraiment de faire un processus d'amélioration continue pour que nos recommandations soient toujours là, de haute qualité. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, c'est d'identifier les situations où la décision partagée est essentielle. Donc, les recommandations du groupe d'études, c'est pas très compliqué. Ce sont des recommandations qui sont soit pour ou contre. Alors, on dit, oui, on devrait faire le test en question ou le dépistage en question ou appliquer la recommandation en question. Ou on ne devrait pas le faire. Alors, ça commence comme ça.
Suite à ça, hein, la recommandation peut être soit forte ou faible, mais depuis 2018, au lieu d'utiliser le terme faible, on utilise le terme conditionnel. Puis ça, je vais l'expliquer pourquoi. Donc, en fait, quand une recommandation est forte, alors mettons par exemple un pour fort, ça dit que des outils d'aide à la décision sont probablement pas nécessaires parce que la grande majorité des patients seraient d'accord avec l'intervention qu'on leur propose. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas en avoir et qu'il n'y a pas des gens qui vont poser des questions, mais on est peut-être plus dans l'information que dans la décision partagée comme telle. Quand il y a un équilibre entre les bénéfices et les préjudices potentiels, c'est là souvent qu'on a une recommandation faible. Et maintenant, c'est très clair qu'on dit conditionnel, mais on dit conditionnel à quoi? Donc, ça va être écrit si c'est conditionnel à une décision partagée ou à l'occasion, ça peut être conditionnel simplement parce qu'il y avait tellement peu de données qu'on ne pouvait pas là, départager si c'était bénéfique ou pas et il a fallu quand même faire une recommandation. Mais dans la grande majorité des cas, ça veut dire que le clinicien devrait être capable, devrait aider son patient à prendre une décision là, pour la décision qu'on a là, de dépistage qui est devant nous actuellement. Donc, c'est souvent de la décision partagée quand c'est conditionnel, à l'occasion un peu moins. Si je peux donner l'exemple qu'on a dit tantôt pour le dépistage de la gonorrhée et de la chlamydia, plutôt chlamydia et gonorrhée, c'est une recommandation pour faible, mais c'est plus basé sur le fait qu'on considère que la personne devrait avoir de l'information. Il n'y a pas d'outil formel de décision partagée, mais il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles pour partager là, avec les patients. Donc ça, malheureusement, je me suis rendu compte que cet article-là était en anglais seulement. Pourtant, il est supposé être dans les deux langues. Je vais regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Mais vous voyez ici les différentes recommandations hein, qu'on a à mettre en place là, comme médecin de famille, ou en tout cas, moi, ça ressemble à peu près aux choses que je vois dans ma pratique. Donc, vous voyez que pour l'hypertension et la dyslipidémie, on a une recommandation forte pour l'hypertension. Pour la dyslipidémie, on n'a pas de recommandation en ce moment. Pour le diabète, on a une recommandation de calculer le risque de diabète avant de dépister. Puis, on a dans les cancers là, deux occasions au moins où on a une recommandation qui est conditionnelle. Là, par exemple, le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du poumon. À venir, on a une recommandation qui devrait sortir cette année où il y aura très vraisemblablement un élément de décision partagée là, sur la prévention des fractures de fragilité. Et j'ai juste rajouté la recommandation peut-être à connaître là, qui est contre, mais conditionnelle, qui est le dépistage du cancer de la prostate. Donc, la décision partagée, alors c'est un peu ça. Hein. On a une recommandation pour fort. Ben, on devrait seulement avoir besoin de répondre aux questions, aux inquiétudes des patients s'il y en a. Un exemple, c'est la recherche de sang dans les selles pour le dépistage du cancer colorectal chez les 60-69 ans. Si on a une recommandation qui est pour, mais conditionnelle, ben là, on devrait pouvoir faire une décision partagée, on devrait faire une décision partagée là, avec ces femmes. Et le pendant du contre, une recommandation forte contre, encore là, simplement si le patient a des questions, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va proposer. Et la même chose pour une recommandation contre-conditionnelle, on ne va pas la proposer, mais si le patient désire en discuter, là, on aura un outil d'aide à la décision qui pourra nous aider à avoir cette discussion-là. Il existe dans le médecin de famille canadien des articles, ici il y en a deux qui ont été écrits par mon collègue Dr. Grad avec d'autres co-auteurs. Il y a toute une série, la prévention en pratique. Les articles sont à peu près tous traduits dans les deux langues. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la décision partagée ou le dépistage en général et les enjeux liés au dépistage, ben, je vous dis que vous pouvez consulter cette série-là. Donc, la décision partagée, c'est quoi? C'est un processus durant lequel les cliniciens travaillent en collaboration avec le patient pour l'aider à prendre une décision médicale. Une décision qui est fondée sur les valeurs et préférences du patient et qui est informée par les meilleures données que l'on a
au sujet de cette décision-là. Donc, c'est vraiment la place de ce genre de décision-là, c'est lorsque les préjudices et les bienfaits sont difficiles à départager. Et là, je vous parle de dépistage, mais on sait, hein, dans la pratique d'un médecin de famille, il y a beaucoup de décisions où c'est comme ça, où les bienfaits et les préjudices sont difficiles à départager. Ce que c'est pas, par exemple, la décision partagée, et ça, je vous en parle parce que à force de donner des formations là-dessus, je me rendais compte que les gens pensaient que c'était pour tout. Mais c'est pas pour tout. Okay? Premièrement, ça consiste, c'est pas pour convaincre le patient. Donc, la bonne décision du patient va être celle qui va être congruente avec ses valeurs et ses préférences. Ça peut être de se faire dépister ou de pas se faire dépister. Mais on n'est pas là pour convaincre le patient, on est là pour accompagner le patient. C'est pas là aussi pour donner au patient n'importe quel test ou traitement qu'il désire. Si c'est pas quelque chose qui est recommandé, on n'entre pas dans un processus de décision partagée, mais peut-être dans un processus d'information et de compréhension de la demande du patient. Donc, première petite question. Dans quel cas la décision partagée a certainement sa place? Donc là, vous êtes supposé voir apparaître un petit... Donc, dans quel cas la décision partagée a certainement sa place? OK. Là, Émilie, tu vas me dire combien de temps on attend pour les votes? Donc, 50% des gens ont voté pour la réponse B. Les bénéfices et préjudices potentiels sont en équilibre. OK. Parfait. Donc, je pense que ça, c'était vraiment la bonne réponse. Je pense que quand il y a une seule option qui est possible, là, on n'a pas de décision partagée. Alors, peut-être on avait cru entendre n'a pas sa place, mais pour avoir une décision partagée, ça prend exactement un équilibre entre les bénéfices et les préjudices. Si le patient ne peut pas collaborer, bien, peut-être la décision doit être prise avec quelqu'un qui est significatif pour le patient. Et si le patient a déjà clairement exprimé ses souhaits, bien, ça dépend de la situation. Peut-être y a-t-il lieu de revisiter certaines décisions, mais souvent, peut-être que c'était déjà très clair. Donc, il y a deux éléments essentiels à la prise de décision partagée. Communiquer les risques, alors les bienfaits et les préjudices, et communiquer ça de façon claire, soit avec des nombres absolus, et on parle même de nombres naturels, ce qui est plus facile à la compréhension. Clarifier les valeurs, alors ce qui importe le plus au patient, au chapitre justement de ces issues cliniques-là. Donc, il y a quatre étapes. La première étape, c'est de reconnaître qu'il y a une décision à prendre. Ce n'est pas nécessairement évident pour la personne qui vient dans votre bureau qu'il y a une décision à prendre entre être dépisté ou ne pas être dépisté. Alors, il faut vraiment donner cette information-là au patient et reconnaître ça, nous, en tant que clinicien, mais aussi pour que les patients puissent reconnaître qu'il y a une décision. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. On reconnaît qu'il y a une décision. Après, on fournit de l'information sur les différentes options. Donc, il peut y avoir une, deux, des fois plus d'options, mais souvent en dépistage, ça va être dépisté ou pas dépisté. Il faut être capable de partager cette information-là de façon le plus neutre possible pour bien définir les bienfaits et les préjudices. Puis, on va parler de l'ampleur de l'effet, puis aussi de l'incertitude, hein, de l'effet, parce que ça fait partie des informations. On n'a jamais une certitude là-dedans. Et comme je vous disais, l'utilisation de fréquences naturelles est souvent plus facile là, pour faire la communication avec le patient. Il existe des documents infographiques pour cela. Troisième étape, obtenir le point de vue du patient. Donc, est-ce qu'il y a des valeurs, des préférences? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce qu'il y a des informations qui vous manquent? Ça, c'est peut-être dans la prochaine étape, mais vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que ça lui dit, ce qu'on lui propose ou ce qu'on lui donne comme information, à savoir quelle est la bonne décision pour lui. Et puis, accompagner le patient vers une décision. Alors, des fois, ça demande un peu plus d'informations, certaines explications, mais je répète que la meilleure décision, c'est la décision qui est congruente avec les valeurs et préférences du patient. Donc, un petit algorithme facile, hein? Est-ce qu'il y a une décision à prendre, oui ou non? S'il n'y en a pas, ben, la décision partagée, c'est peut-être pas l'approche. S'il y en a une, est-ce que le patient est capable de collaborer?
Si oui, est-ce qu'il y a au moins deux options valides avec des bienfaits et des préjudices potentiels qui sont en équilibre? Et là, possiblement que la décision partagée peut être envisagée. C'est sûr que l'équilibre entre les bénéfices et les préjudices peuvent varier. Hein. Les recommandations du groupe d'études vont être sur une population souvent à risque qui n'est pas accrue, mais ça peut varier dépendant du patient que vous avez devant vous, dépendant de ses risques, mais aussi de ses antécédents pathologiques, d'où il est rendu dans la vie et de ses préférences en fait en termes de qualité de vie ou de prolonger la vie, par exemple. Donc, la décision partagée, c'est un processus, c'est quelque chose qui est bidirectionnel. Hein, ce n'est pas quelque chose où on va simplement donner de l'information, mais c'est vraiment une discussion où le médecin est l'expert des données ou l'expert de qu'est-ce que ça peut vouloir dire être dépisté, tandis que le patient, lui, est l'expert dans son vécu à lui, dans sa vie actuelle et dans ses valeurs et ses préférences, comme les termes que je répète depuis quelque temps. Donc, si on a ici, je vais donner un exemple, on a Joanne qui vient d'avoir 50 ans, elle se présente pour un suivi de sa pression artérielle, finalement ça va très bien, elle a fait plus d'exercice, elle a fait attention à ce qu'elle mangeait. Est-ce que, pour le dépistage du cancer du sein, vous devriez prendre le temps, hein, pour de la décision partagée? Réfléchissez à ça, demandez-vous, là, est-ce qu'on devrait prendre le temps? Puis si oui, bien où est-ce qu'on peut trouver les outils d'aide à la décision? Donc, encore une autre petite question. Chez les femmes de 50 à 59 ans, la recommandation du groupe d'études pour la mammographie de dépistage, est-ce que c'est une recommandation qui est pour forte, pour faible, contre fort? OK. Et, oups, pardon, excuse-moi, Diane. Vas-y, vas-y. 75% des gens ont voté pour la deuxième réponse, pour faible. OK, fait que c'est très intéressant. J'imagine que ça rentre très vite les résultats. Alors peut-être que les gens ont voté là, avant, mais je l'ai dit à plusieurs reprises là, dans mes diapositives que c'est une recommandation qui est pour faible. Donc, qu'est-ce que ça implique pour faible? Ça implique donc une décision partagée. Et comment on fait pour trouver des outils ou pour s'outiller pour avoir cette discussion-là? On peut aller sur Google et taper Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, ce qui va nous amener au site web du groupe d'études. Et vous avez toutes les lignes directrices qui ont été publiées là, en un clic. Ça vous amène sur une page qui ressemble à celle-là, avec en ordre alphabétique à gauche les différentes recommandations qui ont été mises à jour et la date, qui ont été soit élaborées ou mises à jour. Et la date à laquelle ils ont été publiés dans la littérature. Et vous avez d'autres informations comme les outils et la tranche d'âge auquel ça se répond. Alors, quand vous cliquez sur une de ces recommandations-là, par exemple, cancer du sein, vous arrivez à une page comme celle-là ici et vous avez les recommandations en texte. Alors là, je ne peux pas descendre la page, mais si vous descendiez la page, vous verriez ici plus bas les principales recommandations en texte. Et vous avez à votre droite l'article, la ligne directrice là, qui tient habituellement sur quelques pages qui peut être consultée là, pour plus d'informations. Et si vous désirez vraiment encore plus d'informations, vous pouvez aller totalement au bout de la page. Vous allez trouver la revue systématique ou les revues systématiques qui sous-tendent la recommandation et toutes les informations qui pourraient vous aider à comprendre comment on est arrivé là, à une telle recommandation. Parce que, comme je vous ai dit, un des objectifs, c'est d'être le plus transparent possible. Puis, il y a des outils hein, qui sont disponibles à droite qu'on va voir là, un peu plus tout à l'heure. Donc, la recommandation chez les femmes de 50 à 69 ans, c'est de dépister par mammographie à tous les 2 et 3 ans. Toutefois, la décision d'avoir ou non un dépistage dépend de la valeur relative qu'une femme accorde aux bénéfices et aux préjudices possibles du dépistage. Okay? Donc, c'est très clair que la recommandation conditionnelle ici, elle est conditionnelle au fait d'avoir une prise de décision partagée chez les femmes de ce groupe d'âge-là. Donc, si j'ai 1000 femmes de 50 à 59 ans que je dépiste pendant 7 ans, combien de femmes ne mourront pas de cancer du sein grâce au dépistage?
Donc là, Guinen, on a le même nombre de votes pour 3 et 1. Donc, c'est très partagé, n'est-ce pas? Très partagé, au milieu. OK. Donc, je vais revenir à mes diapositives. Là, je ne vois plus. OK, parfait. Donc, en fait, la réponse, c'est 1. Hein? Si on regarde les outils, je vais vous le montrer, là, c'est vraiment une femme qui ne mourrait pas de cancer du sein grâce au dépistage durant cette période de temps-là. C'est bon, vous êtes quand même bon d'avoir pris les chiffres vers le bas. Sachez que plusieurs de vos patients vont peut-être penser à des chiffres qui sont beaucoup plus gros. Hein, de là, l'important de bien partager l'information sur les bénéfices et les préjudices. Donc, même page que tout à l'heure, si vous aviez cliqué sur « Outils » ou tout à l'heure sur l'autre page sur « Outils » aussi, vous pourriez voir un outil comme celui-là, qui est un outil infographique, et qui vous montre qu'est-ce qui arrive si on dépiste 1000 femmes de 50 à 59 ans durant 7 ans, des femmes qui ne sont pas à risque accru. Donc, vous voyez, premièrement, les faux positifs, les surdiagnostics et le décès là, évité par cancer du sein. Dans la revue systématique sur les valeurs et préférences des patients, ce sont les trois informations qui semblaient être clés pour permettre à une femme de prendre une décision. Donc, sur 1000 femmes, on aurait 294 femmes qui auraient des résultats faussement positifs. Donc, au bout de la ligne, hein, il y a pas de cancer du sein qui a été trouvé. Mais pour cela, 37 d'entre elles devraient subir une biopsie. Et dans toutes les femmes qui ont un diagnostic de cancer du sein, il y en a une qui, on l'a dit, ne mourrait pas de cancer du sein grâce au dépistage, mais trois qui seraient surdiagnostiquées. C'est-à-dire, un surdiagnostic, c'est un vrai diagnostic de cancer du sein. Alors, ce n'est pas un faux positif. Un faux positif, il n'y a pas de diagnostic. C'est tout simplement un test qui était positif, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de cancer. Tandis qu'un surdiagnostic, il y a vraiment un diagnostic de cancer du sein avec ce que ça implique en termes de traitement, de suivi, etc. Mais s'ils n'avaient pas été dépistés, ces femmes-là n'auraient pas su qu'elles avaient un cancer du sein. Si c'est la première fois que vous entendez ça, c'est probablement contre-intuitif. On pourra en reparler durant la période de questions. Mais c'est ça. C'est la réalité. Là, dans le dépistage des cancers, il y a toujours une part là, de surdiagnostic, que ce soit n'importe quel cancer, c'est inhérent au processus de dépistage. Et pourquoi c'est si important, la décision partagée? Parce que ça influence les issues cliniques. Les issues cliniques sont importantes pour les patients. Donc, par exemple, il est clair, et ça, on s'en attendait, qu'ils connaissent plus, hein, ils ont plus d'informations sur les options, sur les issues cliniques. Mais surtout, ce qui est démontré ici, c'est que ça devient une décision qui est beaucoup plus congruente avec leurs propres valeurs et qu'ils ont une capacité légèrement meilleure quand même de mieux percevoir les risques, soit le risque de cancer ou les préjudices potentiels au dépistage. Donc, ça joue aussi dans la relation qu'on a, la relation de confiance qu'on peut avoir, parce que vous voyez que les gens se sentent plus informés, se sentent qu'on respecte leurs valeurs aussi et leur participation là, aux décisions. Mais tout ça, qu'est-ce qui influence notre capacité de faire la décision partagée? Il y en a qui diraient le temps, mais moi je dirais que c'est comme un peu faire du vélo, hein. On finit par être très bon et être capable d'intégrer ça dans notre pratique. Et c'est sûr que la qualité entre le médecin et son patient, c'est crucial pour être capable de mettre en place là, de la décision partagée. Donc, je vois qu'on approche de 40 minutes. Il me reste un troisième objectif qui n'est pas très long parce qu'on en a déjà discuté. Donc, je vous laisse réfléchir à la décision partagée. C'est des réflexions personnelles. Est-ce que je devrais prendre le temps? Est-ce que c'est important? Est-ce que j'ai donné un argumentaire pour lequel c'est important et pour lequel on devrait effectivement prendre le temps? Donc, l'objectif numéro 3, c'est d'utiliser des outils pour faciliter la décision, surtout lorsque la recommandation est conditionnelle. Donc, sur le groupe, sur le site du groupe d'études, vous avez une place où vous pouvez, si vous voulez, en un clic, télécharger tous les outils d'information. Vous pouvez aussi, à une occasion, faire une demande pour les recevoir là, de façon plastifiée pour votre bureau, votre utilisation là, avec vos patients. Donc, juste faire une distinction entre ce que je vous ai montré qui est un infographique
qui est vraiment dans le contexte d'une discussion entre le médecin et son patient, et de vrais outils d'aide à la décision qui sont vraiment dans un contexte où on va prendre une décision. Bien sûr, l'infographique, quand il est complémenté par cette interaction-là entre le patient et son médecin, peut amener le patient à prendre une décision. Mais si on veut faire autrement et peut-être remettre un outil au patient, bien, il existe aussi sur notre site web là, des outils d'aide à la décision. Je vais vous montrer la différence. Donc, juste ici, on a un outil sur le dépistage du cancer de la prostate. Je me suis rendu compte qu'il était en anglais. J'aurais pu le mettre en français parce que c'est fait par l'INIS. Ça, c'est un outil vraiment pour avoir une discussion avec le patient. Donc, on peut lui présenter un peu comme j'ai fait avec le cancer du sein, là, les pour et les contre d'un dépistage. Mais il existe, et le groupe d'études en a fait pour le cancer du sein, des outils d'aide à la décision. Donc, comment ça commence? Je n'ai pas tout mis là, sur la feuille. Ça commence avec de l'information factuelle sur le cancer du sein, la mammographie, etc. Ça donne l'infographique que je vous ai montré. Puis après, il y a une section où on demande aux patients de réfléchir. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, les bénéfices, les préjudices? Il peut même rajouter certains préjudices, par exemple, si c'est un patient qui reste en région et que ça demande un déplacement, une perte de travail, etc., ce qui pourrait être important pour lui, il peut le rajouter. Et il peut coter là, sur 5, pas important à très important. Ça l'amène à se positionner là, à travers ça. Puis s'il y a d'autres questions, il peut les noter pour la prochaine fois qu'il voit son médecin. Donc, les messages clés, c'est vraiment, je vous laisse avec 4 messages clés. Le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs produit des lignes directrices qui sont transparentes avec une méthodologie qui est rigoureuse. Il existe des outils qui facilitent l'incorporation des recommandations en pratique. J'en ai montré quelques-unes, que ce soit des infographiques ou des outils d'aide à la décision qu'on peut remettre aux patients. Et quand on a une recommandation conditionnelle, il faut vraiment considérer l'utilisation d'infographiques ou d'outils d'aide à la décision. Et la décision partagée, c'est vraiment un processus structuré. Je vous ai montré les 4 étapes, les 2 moments clés aussi d'une décision partagée parce que ça améliore le soin aux patients. Voici quelques façons d'avoir accès à tout ce que je vous ai parlé, les recommandations, etc. Donc, Twitter, Facebook, la série Prévention en pratique, mais aussi le site web du Canadian Task Force, ce qui contient toutes les recommandations et toutes les informations que vous pouvez avoir de besoin pour mettre ça en pratique. Merci Guylaine, très belle présentation. Donc, on a quelques questions. La première du docteur Lafortune concernant la recommandation contre-conditionnelle pour le cancer de la prostate. La question est, comment pouvons-nous faire un counseling éclairé aux patients des communautés noires qui ont un risque plus élevé par rapport aux hommes caucasiens, compte tenu qu'il y a peu de données probantes à ce sujet pour cette population? Mais en fait, si vous lisez le libellé là, sur le site web du groupe d'études, on n'a pas justement de recommandations spécifiques pour les patients noirs, mais ils sont inclus dans la recommandation. Ceci étant dit, on reconnaît qu'ils sont plus à risque. Donc, il n'y a pas malheureusement de bonnes données qui nous permettent de faire un infographique, par exemple, pour cette population en particulier. Alors moi, ce que je fais un peu la même chose que je fais avec des femmes, mettons, qui auraient un risque un peu accru à cause d'une histoire familiale. Je me sers de l'infographique, mais j'explique au patient que son risque est probablement de base plus élevé, donc son bénéfice probablement un peu plus élevé. Hein, parce que là, on joue avec risque relatif, risque absolu. Donc, le bénéfice est probablement le même, mais si on part à un risque plus élevé, c'est-à-dire la diminution du risque en relatif est probablement la même, mais si on part avec un risque en absolu plus grand, on a probablement un bénéfice plus grand. Donc, c'est comme ça que moi, je fais. Je prends le même outil, mais je leur explique qu'ils partent avec un risque plus grand. Bien sûr qu'il faut s'entendre. Si, par exemple, pour le cancer du sein, il y a une femme qui ne meurt pas de cancer du sein sur les 1000, eh bien, ce n'est pas 8, 10, 12, 20 qui ne mourront pas, mais peut-être 2, peut-être 3. C'est difficile à dire. Donc, on nage dans du gris. Mais c'est la limite des données probantes. J'espère que ça répond à la question de Dr Lafortune. Dr Lafortune, oui. Donc, essayer d'adapter les données pour le patient devant nous.
Oui, mais dans la mesure où on peut les adapter, dans le sens qu'on ne les a pas, les données exactes, ben, il n'y a rien d'exact dans tout ça, mais je veux dire, on n'a pas de données, on n'a pas de bonnes données sur lesquelles poser là, notre réflexion à ce sujet-là. Mais on explique au patient qu'il part avec un risque plus important, donc possiblement qu'il bénéficie un peu plus. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que si on part avec un risque plus important, il est possible qu'on bénéficie un peu plus et il est probablement possible qu'on ait un peu moins de surdiagnostic. Fait que ça, on peut jouer avec ça un peu. Merci. Autre question. Donc, si la prise de décision partagée est recommandée pour le dépistage, pourquoi est-ce qu'il y a parfois pardon, j'ai le mot anglais, incentives, excusez-moi, Oui. financières pour encourager le plus de dépistage possible? Ben là, je crois que cette personne-là vient probablement pas du Québec parce que c'est pas comme ça le système au Québec, mais je sais que dans d'autres provinces, c'est effectivement comme ça. Écoutez, c'est une excellente question, puis j'ai pas la réponse. Peut-être juste parce que c'est facile de compter, beaucoup plus facile de compter combien de mammographies que de compter combien de décisions partagées ont eu lieu, mais j'ai pas de réponse meilleure, mais certainement. Il y a même un article là, qui a été écrit par James McCormack du BC que vous pourriez trouver là. Et puis vraiment tout le monde s'entend, en tout cas autour du groupe d'études et dans le groupe d'études pour dire que ce qu'on devrait regarder, c'est la décision partagée et non pas le nombre de tests là, qui sont effectués. Donc une excellente question auquel il n'y a pas de réponse tranchée. Ouais, j'imagine que c'est aussi difficile de comptabiliser la prise de décision partagée versus test fait, test pas fait. Oui, c'est sûr. Sauf qu'on devrait vraiment, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on dit au groupe d'études, c'est qu'une femme devrait pas avoir une mammographie sans avoir bien compris les pour et les contre. Puis après, la décision, c'est la bonne. Qu'elle y aille ou qu'elle y aille pas, c'est la bonne. Mais de compter le nombre de mammographies, vraiment, ça devrait pas être l'objectif, là. D'ailleurs, un peu sur le même sujet, comment faire pour le patient qui dit merci beaucoup, j'apprécie la discussion, mais j'ai rien compris, qu'est-ce que vous me recommandez de faire? Ben, en fait, comment je dirais? C'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, quand on commence à faire de la décision partagée, on n'est pas aussi habilité, puis ça peut être un peu difficile de vraiment être neutre dans ce qu'on présente et de vraiment le présenter d'une façon qui va être facile à comprendre pour le patient. Comme, par exemple, les surdiagnostics, moi, j'utilise souvent l'analogie de la tortue, un cancer tortue, un cancer qui ne va nulle part. J'ai l'impression que ça, ils comprennent, parce que si je fais juste parler de surdiagnostic, je pense pas. Donc, il y a toutes sortes de façons de rendre l'information un peu plus compréhensible pour le patient. Fait que ça, c'est une chose. Le patient qui dit, bon, ben vous, qu'est-ce que vous feriez? Ben, c'est peut-être qu'on n'a pas bien fait comprendre que les valeurs et préférences sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, je reviens là-dessus, puis je dis, écoutez, les valeurs, les préférences, mes valeurs, mes préférences sont probablement différentes des vôtres parce que moi, je suis une femme de tel âge, vous êtes un homme de tel âge. Donc, c'est difficile pour moi de vous aiguiller plus que ça, mais de revenir avec de l'information. Ça m'est pas arrivé là, qu'une personne à la fin me dise, non, mais vous, qu'est-ce que vous feriez là? Fait qu'il faut être prêt à essayer différentes façons de donner l'information, puis c'est un peu comme faire de la bicyclette, là. Au début, on est maladroit, puis après, on devient plus habile, puis plus capable d'adapter le message, là, au patient qu'on a devant nous. Je vous dirais peut-être, j'ai un patient une fois, fait qu'il y a toujours des exceptions à la règle. J'ai un patient une fois où vraiment, là, ça ne marchait pas, là. Mais mes petits bonhommes, là, ça disait absolument rien. Fait que j'ai utilisé une stratégie un peu plus grossière de dire, mais quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous une personne qui voudrait tout faire, peu importe le petit bénéfice qu'il pourrait avoir? Vous êtes une personne qui dit, hey, non, moi, j'aime mieux vivre ma vie puis pas trop être inquiétée. Fait qu'on s'est organisé avec une discussion comme ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait. La plupart apprécient les petits bonhommes, les infographiques, mais encore, il y a d'autres stratégies là, pour arriver à avoir une information de qualité avec le patient. Vraiment bien comprendre les valeurs du patient pour essayer de le guider en fonction de leurs valeurs. Un peu aussi sur le même sujet, donc à propos des provinces qui ont différentes règles. Donc en Saskatchewan, on n'a pas accès au dépistage pour le cancer du poumon.
Est-ce que le groupe d'études canadien prend en compte ces différences entre les différentes provinces? Non, dans le sens qu'on fait une recommandation pour les Canadiens en général, donc on ne va pas regarder ce qui se fait nécessairement dans les provinces. Hein. Si on constate qu'un dépistage est assez efficace pour le recommander, on va le recommander. Mais ceci étant dit, pour la personne qui pose la question, là, vous n'êtes pas la seule. Hein. Par exemple, au Québec, l'accès est seulement dans des projets pilotes. Donc, il faut encore réfléchir, je pense, à ce dépistage-là, qui est le dépistage du cancer du poumon. Il y a encore des choses à apprendre pour diminuer le nombre de faux positifs, par exemple, qui est quand même un gros facteur là, dans ce dépistage-là. Ce que je dirais de plus, c'est qu'il y a des nouvelles études, ben, il y a une nouvelle étude depuis la dernière publication du Task Force et heureusement, ça va dans le même sens, donc encore dans le sens d'un dépistage là, pour mes conditionnels. Merci. Dernière question. Que dites-vous aux médecins qui ont peur de manquer un diagnostic de cancer? Par exemple, qui ont fait une décision partagée avec une patiente qui a refusé un mammogramme et quelques années plus tard, qui est diagnostiquée avec un cancer du sein. Que dites-vous à ces médecins? Dans le fond, tu sais, il n'y a pas assez de preuves pour dire qu'il faut absolument le faire à tout le monde. Donc, je pense que la conduite d'avoir fait une décision partagée était tout à fait adéquate. Maintenant, je peux très bien comprendre qu'on ne se sent pas très bien si plus tard elle a un cancer, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la personne sur 1 000 qui aurait bénéficié? Est-ce qu'elle va évoluer bien de toute façon? Est-ce qu'elle va évoluer de la même façon qu'elle aurait évolué, donc peut-être bon, décédée, peut-être que c'est pas elle qu'on aurait sauvée. Donc c'est tout ça qu'il faut réfléchir parce que c'est pas, je comprends l'émotion qui vient avec ça. Alors si ça nous arrive, on a l'impression que c'est peut-être la personne sur 1 000 qui aurait pu en bénéficier, mais il faut réfléchir puis réaliser que c'est probablement pas cette personne sur 1 000-là. Et que la bonne conduite, c'était d'avoir une décision partagée. Parce que si on ne le fait pas, là, on soumet plein d'autres femmes à des préjudices qui ne sont pas des préjudices qu'ils auraient voulu là, subir là, s'ils avaient eu l'information adéquate. Merci. Ou par exemple, la patiente qui a été dépistée et qui a un cancer, est-ce que ce cancer était un cancer qui lui aurait vraiment posé problème ou est-ce que c'est un cancer qui, finalement, sans dépistage, n'aurait pas posé problème? Ça peut être En fait, bénéfique. il y a 3 options. Hein. Ça peut être un cancer qui, de toute façon, aurait mal évolué. Et ça, il y a quand même des gens qui meurent, même si on trouve leur cancer au dépistage. Ça peut être un cancer qui aurait bien évolué, c'est-à-dire qu'on aurait traité de la même façon, même si on l'avait su plus tard. Mais ça peut être un surdiagnostic, et c'est là qu'il y a un préjudice qui est quand même pas négligeable. Parce qu'une fois qu'on donne un diagnostic de cancer à quelqu'un, ben, c'est pour sa vie, là. Elle est maintenant avec un cancer. Ça change beaucoup de choses dans la vie des gens. Ça change leur façon de voir la vie puis la qualité de vie. Alors, si au départ, la femme est consciente que ce risque-là, ben, c'est correct. C'est une décision tout à fait acceptable d'aller pour la mammographie. Mais c'est de ne pas savoir qu'il y a ces risques-là. Et d'aller dans la mammographie en pensant que ça ne peut être que bénéfique, c'est là que le problème est. Parce qu'on voit avec des données aux États-Unis que on a la courbe du surdiagnostic. Hein. Donc, quand on fait un dépistage, on a souvent, pour le sein en tout cas, et la prostate, c'est la même chose, une augmentation de l'incidence de la maladie. Donc, on trouve plus de maladies. Mais là-dedans, il y a bien des gens qui bénéficient pas du fait d'avoir été maintenant diagnostiqués. Ça, faut réaliser ça. Et en plus, ce qu'on voit avec le sein, c'est qu'on fait beaucoup plus de diagnostics, mais souvent des diagnostics de cancer peu avancés, et on n'arrive malheureusement pas à diminuer les cancers qui sont avancés. Et pourtant, si mon dépistage fonctionnait, je devrais voir les cancers avancés décliner beaucoup. Donc, tu sais, le bénéfice demeure 1 sur 1 000. Alors, j'étais pour dire un mot qui qualifiait ma façon de penser à 1 sur 1 000, puis il ne faut pas faire ça, il faut rester neutre. Très bien. Merci Guylaine pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant.
Merci à tous ceux qui ont pris leur heure du midi pour venir nous écouter. Et voilà, donc j'aimerais remercier Dr. Thériault de s'être joindre à nous aujourd'hui. Et pour obtenir vos crédits Main Pro, veuillez répondre au sondage en ligne. Le lien est affiché dans la fenêtre de clavardage et le sondage sera fermé vendredi à minuit, heure de l'Est. Et dans cette diapo, nous voyons les prochains webinaires à venir. Donc, c'est le Peer Simplified Chronic Pain Guideline qui sera le 21 juin 2022 à midi. Et je vous remercie à tous de votre participation. Au plaisir de vous revoir bientôt.